Macron, la case départ qui est située donc au rive de l'Orne. On va découvrir ce café ludique avec plein de jeux pour enfants, pour adultes, pour tous. Et on va découvrir notamment la route des vignes. Vous allez voir un petit jeu de la ludothèque avec Léo et Eric. À tout de suite. Eh ben bonjour Léo, bonjour Eric. Bonjour. Merci de m'accueillir à la case départ. Et aujourd'hui, on va découvrir la route des vignes. Ça tombe bien, je pense qu'il y a du vin chez vous. Ah hein, voilà. Ouais. Et puis il y a des cases. En plus. C'est pour faire un petit clin d'œil. Donc la route des vignes, on est sur un roll and write. Donc les roll and write à la ludothèque, c'est plastifié, parce que normalement c'est pas plastifié, et on joue avec un petit feutre comme ça. Voilà. Donc le principe des roll and write, on a des petites cartes comme ça, on va avoir un tirage de cartes, ok, et on va tous inscrire le tirage de cartes sur la petite fiche. Et donc si on perd, c'est que de notre faute. On est d'accord? C'est ça? Rien à voir avec la chance. Hein, rien à voir avec la chance, parce qu'on a tous exactement la même chose. Donc je vous laisse un petit feutre qui va bien. Donc, on est ici dans un beau vignoble avec plein de petits villages. Vous voyez, il y a un village A, il y a un B, il y a un C, un D, un E, un F, et c'est tout. C'est bien ça, voilà. Et il y a deux beaux châteaux. Il y en a un vert tout en haut et il y en a un rose tout en bas. Voilà. Et il y a plein de grappes de raisin. Voilà. Il y a des cases avec une grappe de raisin, deux ou trois. Voilà. Donc, le principe, ça va être de relier donc, les grappes de raisin au petit village. Ok, pour avoir des points. Ça va jouer en 5 manches. À chaque manche, on va avoir un village défini. Le A, le B, le C, le D. Ça, c'est aléatoire. D'accord. Donc, il y a un village qui ne va pas compter de points. On va faire donc des routes entre les villages et les petites grappes de raisin par rapport au tirage de cartes. Donc, il y a 6 cartes différentes qu'on va retrouver. Voilà. Donc là, par exemple, le 1. Ce qui est bien avec les joueurs, c'est qu'ils remarquent tout de suite comment on joue. Donc le 1, voilà, ce qu'on voit ici en symbole ici, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, donc des angles droits, des tout droits, des... voilà. Et donc on va faire un tirage de cartes, il va falloir inscrire cette petite carte sur notre petit... sur notre plateau. Voilà, sur notre petite fiche. Exactement pareil, donc voilà, si on a un doute, on peut reprendre ici. Et donc il faut faire exactement pareil. On peut le faire en plein milieu nulle part, d'accord. On n'est pas obligé de relier forcément donc, le village, on peut le faire n'importe où. Sauf qu'à chaque manche, on va compter les points avec ce qui est relié. C'est-à-dire que si on va avoir le village E, et ben si on veut marquer des points, il faut que le village E soit relié, par exemple, comme ça, à du raisin. Okay, et chaque route qui a été commencée va continuer pour le reste des villages. Donc on va essayer d'anticiper un petit peu en se disant, ben après, si je passe par le A, il vaut mieux faire cette route-là, etc., etc. Donc plus on va aller et plus on aura de points. Okay, au départ, on va commencer avec petit et voilà. Je vous explique juste un petit truc parce que vous êtes joueur et que si je vous le dis pas, vous allez m'en vouloir. Peut-être qu'on aurait demandé. On va éviter ça. C'est qu'au village, donc le premier village, on va compter les points des grappes de raisin qui sont reliées à notre village. Okay. Ouais. Au deuxième village, pour compter les points, il va falloir faire plus qu'au premier. Sinon, on aura moins 5 points. Okay. Donc c'est important de ne pas faire trop au premier. Par manche, tu veux dire? À chaque fois, en fait, chaque village, voilà, par manche. Okay. Il va falloir faire plus de points que la manche précédente, sinon on a moins 5 points. Donc si vous faites 20 points au départ, ça va être tendu de faire plus, surtout à la dernière manche. D'accord. Vous aurez certainement un moins 5 à un moment donné de la partie. D'accord, je préfère vous le dire. Et après le moins 5, on va pouvoir marquer des points normalement. Exactement, voilà. On va faire plus qu'à la manche précédente. Oui, à la manche précédente. Donc si vous revenez à moins 5, okay. Après tu peux repartir, il n'y a pas de souci, tu peux repartir à 2, tu auras 2 points. Quoi. Voilà. Et dernier petit truc, rose et vert, à la fin de la partie, on comptera pour le château rose et pour le château vert le nombre de grappes de raisin de la même couleur que lui, qui sont reliées à ce château. Donc là, par exemple, le château rose, bah, s'il est relié à 4 grappes de raisin, ça ne fera que 4 points. Ouais. Rose, bien sûr, donc il est de la même couleur. Ça va. Rose, grappe 1, rose et voilà. Et ben, bah, on y va, c'est parti. Tout ce qu'on aura dessiné, on va le garder sur chaque manche, on va juste ajouter exactement. À chaque manche. Et, exactement, on va ajouter, donc ça va... Et une manche, c'est combien de cartes? Ah ah, oh là là, vous me posez déjà toutes les questions. C'est mieux avec des non-joueurs, parce qu'en fait, les non-joueurs, enfin, les moins-joueurs, ils me posent pas toutes les questions, ils me laissent, voilà, découvrir le jeu. Parce que moi, ça me donne un avantage, j'explique pas tout, ah, ben et comme voilà. Ça, je gagne au jeu. Mais là, je peux pas vous avoir, tant pis, c'est pas grave. Donc, il y a des cartes. Jaune, il y a des cartes blanches. Et il y a des cartes blanches.
Elles sont pareilles, c'est-à-dire que voilà, un 3 jaune et un 3 blanc, c'est exactement la même chose. D'accord. Sauf qu'au bout de 4 cartes jaunes, la manche s'arrête. D'accord. Donc c'est aléatoire quand même, parce qu'il peut y avoir 4 cartes jaunes qui sortent, donc 4 chemins. Et ça peut aller super vite, plutôt. Et ça peut aller super beaucoup moins vite. Et je ne sais plus combien il y a 42 cartes routes, et il y en a 22, donc c'est des routes ensoleillées, il y en a 22 jaunes. D'accord. De la moitié à peu près. D'accord. Moitié en gros, au bout de 8 cartes à peu près, le village va être fini. Ça marche. On y va, on commence. Eh ben on est parti. Et puis je reste après, c'est des petits détails. Dernière petite question. Voilà, là. Oui, vas-y. On commence où on veut. On commence où on veut. On n'est pas obligé de relier les chemins, mais on peut faire une case là, après une case là, après une case là. Mais si on veut marquer des points, pour cette manche-là, il faut qu'on parte d'un château. Il faut qu'il y ait au moins un château. Voilà, et il faut absolument que le trait soit fait dans le village. Dans le village. Du château, voilà, village. Voilà, village. Okay. Été moins sûr, et il y en a un qui ne compte pas à chaque. Il y en a un qui ne va pas être distribué. Un des 6 villages qui ne va pas être, qu'on va pas retourner. D'accord. On peut même l'enlever tout de suite comme ça. Voilà. Il y a un village qu'on ne verra pas dans toute la partie. Oui, et on ne sait pas lequel. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Qu'est-ce que j'ai pas dit, c'est que si jamais au premier ça peut arriver qu'on n'arrive pas du tout à relier un village, ouais. C'est moins 5 points. Ça marche. Ok, ça marche. C'est parti, mais des fois il vaut mieux avoir moins 5 points que là. C'est et voilà. Et bien c'est parti. Première manche, nous allons voir le petit village B. Donc on va mettre un petit B ici, dans la petite case là. Au cas où on se rappellerait plus, alors que c'est visible, mais. Oui, mais on sait jamais. Voilà. Et donc je vais retourner. Ouais, j'ai mélangé, donc c'est bon. Je vais retourner, donc c'est un petit 2. Donc on va faire un petit 2 où on veut. Donc moi je vais commencer direct sur le village B. Donc là j'ai 0 points pour l'instant, mais voilà. Mais. Ça paraît une bonne sorte. Moi je suis pas ça. On a le droit de faire des cul-de-sac si on veut. Donc j'ai le droit de faire un truc comme ça. C'est un peu bête parce que si je fais un truc comme ça, oui, sur ma petite fiche, mais je peux le faire quoi. Voilà. Donc là, la manche est terminée parce qu'il y a 4 cartes jaunes sur la table et on compte les points. Donc moi, j'ai un point, ce qui est mieux que moins 5 parce que si on n'a pas au moins un point, on a moins 5. Donc j'ai un point. Ça fait 2. Ça fait 2. Et toi, oh là là. 5, c'est ça. 4. C'est quoi ça? 5. Oh là là. 3, 1 et 1. Vas-y. Non, mais oui. Vas-y, puis je vais même montrer en exemple parce que. Ah, il est trop fort. Il démarre fort, il anticipe fort. Ouais, le problème, c'est qu'il faut enchaîner là. Ah, mais c'est ce que je vais faire. Ce que je vous ai pas expliqué parce que je suis pas sympa, j'explique pas tout. Mais vous auriez pu en fait ne pas inscrire un des chemins. D'accord. Vous dire non, là je l'inscris pas parce que il n'y a pas d'intérêt, etc. Ah ouais, d'accord, tu ne l'avais pas dit. Ok, ok. Quand tu dis ne pas inscrire, ça veut dire ne rien noter sur ne rien noter là. D'accord. On est obligé de noter, sauf si on fait cette action-là, l'action de regarder le prochain village. Ça aurait pas été inintéressant. Ouais, voilà, je l'ai pas dit. Ouais, bah ouais, mais c'est l'avantage. C'est pas grave, on va le pour la suite. Donc là, c'est le village c'est A. Tu vois, le fameux village. Je vais faire l'action magique de regarder qu'est-ce qui se passe du village d'après. Et on peut le faire qu'une seule fois. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt de faire deux fois, c'est de pas mettre. On est obligé de mettre, ou alors on regarde une seule fois dans la manche. D'accord. T'as regardé, c'est joli, ouais, c'est un beau village c'est ou pas un bécal, mais là, c'est il est plutôt dans le sud 4. Ou dans le nord. Il est parfait. D'accord. 4, ça serait bien. Ouais. Alors, petite question, si je fais tout de suite un truc sur le dé par exemple, quand le dé sort, j'ai déjà des. Exactement, ouais, tout à fait. Là, la deuxième manche est finie. Village A, moi j'ai fait tout pourri. Parce que j'ai fait que 1. Et comme j'avais fait 1 à la première manche, ça fait colle. Moins 5. Ah bah non, il fallait faire plus. Moins 5, donc c'est là, vraiment tout. Aïe, aïe, aïe. Alors attention, 4, 7, excusez-moi. Et ça fait 8, hein, monsieur. 8. Mais c'est bien, bravo. Bah oui, 8. Ouais, mais le moins 5 me pond à la truc, hein, clairement. Et 3, ça fait 4. 4 et 1, 5. 5 et 2, 7. 7, ça fait plus que ça. Je vais juste remontrer encore ta fiche. Mais par contre, je suis mal pour la suite. Que là. Hop, on a pu utiliser donc le village déjà B qui était fait, relié au A, donc ça fait beaucoup de points, c'est très bien. Est-ce que je fais 0 après un moins 5 ou est-ce que. Non, t'as fait. Parce que, ah oui, t'as fait 0. Alors quand t'as 0, c'est moins 5. Ah, ça, alors, ça arrive pas souvent, mais c'est non, bien mais ça, parce que ça soit au moins égal à 1. Non, juste comme ça, il veut montrer ce qui se passe. Donc là, la partie est finie. C'était pour moi une de mes pires parties, voilà. Ça, c'est vraiment pas joli. C'était de 9.
9 et 18, voilà. 27. Donc fin de la partie, on va compter déjà les points des villages. Châteauvert, 19 moins 10, ça fait 9 et 7, 16, 17. Donc moi ça me fait que 17 points, donc c'est assez pourri. Voilà. Et maintenant on va compter donc les châteaux. Donc le château rose par exemple est relié à 1, 2, 3, tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est marrant, ça. 13. C'est presque 3 fois 11 comment. Vous êtes pas étonnant. Et le château vert. Le non, château vert, 0. Marqué 0 ici. Voilà. Il y a un 13 là qui. Moi j'ai 13 en château, ouais. Châteaux, voilà. Et donc ça fait. Moi ça fait 30 points tout juste. Ah, moi je suis au fond 12. De la charrette. Donc tu es grand gagnant, t'as bien fait de. Il me fallait 4. Il me fallait le dé, il n'y a pas eu le dé. C'est ça. Donc là, c'est vraiment pas. Voilà, c'est pas une super. Voilà, on peut voir ce qu'on peut faire de pourri. Bien sûr, si. Voilà. De pas faire l'exemple. De... voilà ce qu'il ne faut pas faire. Parce que le but, c'est plutôt de faire des choses comme ça, où on essaie de faire des super beaux chemins qui passent par plein de villages et par plein de châteaux aussi. On sort bien. Voilà. Bien bon, les châteaux, c'était pas terrible quand même. C'est quand même moi qui ai fait le meilleur château. Les châteaux, c'est pas fou, ouais. Voilà. Donc voilà pour et ce c'est qui... parce qu'il manquait un 5. Hein. Oui, exactement. Voilà. 2, 4, 6, donc là, pour 8, dire que 10. On est un peu énervé, on a quand même eu l'impression de ne pas avoir eu de chance. Non, ça va. Alors qu'on a tous eu la même chance, on va dire, et qu'il y en a qui se choix. Sont... C'est des choix, et c'est dur de faire des choix dans ce genre de jeu. Donc voilà pour ce petit jeu, la route des vignes. Et puis, bon, on va passer la petite visite du petit café-jeu pour voir tout plein d'autres jeux qui sont disponibles. On est à la case départ. Un café jeu bar brasserie situé au 23 quai Eugène Mélin à Caen. On a ouvert l'année dernière et on présente un concept de café ludique en plus de restauration traditionnelle le midi. Donc on a une ludothèque là, d'environ 500 références pour l'instant. On continue d'étoffer en fonction des besoins, des demandes et du type de clientèle qui vient. On prépare quelques événements, notamment autour des auteurs du coin, des journées prototypes dans lesquelles les petits auteurs qui sont pas encore édités peuvent proposer leurs prototypes. On a également des animations qui sont elles-mêmes proposées par des gros éditeurs, souvent par le biais du réseau des cafés ludiques, pour présenter des nouveautés. Là, par exemple, en ce moment, on va avoir, que je vous montre l'affiche ici. Une avant-première pour Last Message qui va sortir en juillet de chez Yellow. On a également reçu Sobek Duo de la part de BlackRock, un jeu qui va sortir voilà, dans les mois qui viennent. Ça va permettre de tester des jeux qui ne sont pas encore sortis et ça c'est top quand même. Ouais, parce exactement. Comme un festival de jeux en fait, c'est un petit festival de jeux restreint quoi, mais voilà, c'est cool. Exactement, et voilà, même si c'est pas pour jouer à des nouveautés, on va avoir plein de références et normalement, quel que soit votre âge, quelles que soient vos habitudes de jeu, on va avoir plusieurs jeux à vous proposer. Et surtout, ce qui est important, c'est que Eric et moi, on va être là pour faire l'animation. C'est quelque chose qui est dans l'ADN du bar. Quand vous venez, on aura des jeux à vous proposer, on vous explique les règles et vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sous la table et à profiter de la partie. Super, et à manger et à boire aussi parce que vous proposez plein de choses à manger et à boire. Forcément, super. Et donc, vous êtes ouvert quand? Alors, on est ouvert du mardi au samedi, de 11h à 1h en continu. Waouh, super. Ok. Donc, voilà, toute la journée, pas de coupure. Donc, c'est autant possible de venir boire un verre le soir que de venir dans l'après-midi profiter d'un jeu un petit peu plus costaud de 2-3 heures autour d'une boisson voilà, sans alcool ou avec alcool, selon ce que vous préférez. Super. Et bien, merci beaucoup. À bientôt. Donc, à la case départ. Merci.